Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, samedi 15 juillet 2017, je rentre de vacances et j'étais en train de trier mes photos. Et puis, plutôt que de faire ça dans mon petit coin, sur un point bien particulier, je voudrais vous parler d'un logiciel. C'est l'occasion qui fait. Ce logiciel s'appelle Hugin, c'est pour créer un panorama. J'en avais rapidement parlé dans une vidéo où je présentais tous les logiciels que j'utilisais. Mais là, je vais vous le présenter en détail. Donc là, j'ai trié mes photos de vacances et puis j'ai écarté quelques photos pour faire un panorama. Donc là, je vais vous mettre en icône, voilà, c'est bien, je vous montre un peu ma vie. Heureusement, je ne suis pas sur les photos. Donc dans TMP, j'ai un peu de bordel. Et voilà, par exemple, typiquement, j'ai fait des photos où je voudrais voilà, réunir toutes ces photos sur une seule photo pour une vue. Par exemple, ici, dans ce petit village où il y a une, où il y a eu une île, il y a une île au milieu du lac, je me suis dit, tiens, je voudrais vous montrer comment faire un panorama. En effet, vous voyez mon appareil photo, je suis incapable de faire cette photo-là, plus cette photo-là, plus cette photo-là, c'est toute la vue du lac. Donc j'ai pris trois photos, et ça tient pas sur l'objectif, quoi. Donc j'ai pris une, deux, trois photos. En prenant mes photos, j'ai pris le soin, regardez ici, de chevaucher mes différentes photos. C'est-à-dire que là, on a l'île, on a la fin de l'île avec les arbres ici. Vous voyez, dans le dernier tiers de photo. Eh bien, dans la photo d'après, ce bout d'île là, en fait, j'ai un tiers en commun. Qui est du bout de l'île jusqu'au début du village. Et donc là, hop, voilà, j'ai le petit village ici et l'île. Donc là, c'est une partie en commun. Ensuite ici, j'ai le village ici, j'ai le petit bout de village, et sur le dernier tiers de la photo, il y a le petit bout de village qui commence. Et bien, sur la photo d'après, ici, je garde un tiers en commun. C'est très important parce que Hugin va calculer sur différentes photos les points communs pour les compiler. Donc, je lance Hugin, voilà, créateur de panorama. On va charger les images dans un premier temps. Donc, j'ai dit que c'était celle-là jusqu'à celle-là. Voilà. Donc, j'ouvre mes images et mes images arrivent ici dans cette grille. Donc là, on peut afficher toutes les photos ou on peut masquer certaines photos. Peu importe. Là, vous sélectionnez le type d'objectif que vous avez, normal, rectilinéaire ou si c'est un panoramique, cylindrique. Parce que le logiciel, il va adapter les photos suivant le type d'objectif que vous avez. Donc moi, j'ai un objectif normal. Donc là, vous avez plusieurs onglets. J'y reviens après. Je vais aligner automatiquement les photos. Donc là, il va analyser les trois images et il va trouver des points communs. Donc là, on voit 21. Ah, ça allait vite. Il va fermer la fenêtre après, tant pis. Mais il trouve des points communs entre les images, ce qui lui permet de les aligner. D'où le fait que... hop, voilà, entre les différentes photos, bien garder un tiers de photos communs. Donc là, si on affiche les points de contrôle, ici, donc là, il a contrôlé différents points où il y a les petites, croix. Et entre la photo 0 et la photo 1, vous voyez, il y a des choses communes. Voilà. Et donc il utilise ces zones communes pour trouver des points en commun et aligner les photos. Pareil ici. Donc il trouve un point là, 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 un point là. Il y en a quelques-uns là. Donc ces points-là, il les utilise tranquillou. On peut les éditer si on a envie, hein, pour lui dire non, non, c'est pas ça que je veux. On peut disposer les photos différemment si on veut les inverser, si on veut faire autre chose. Hein, voilà. Donc là, ici, on dit que on voit qu'il a fait des concordances entre ces deux photos-là et entre ces deux photos-là. Là, la projection, bah, c'est suivant ce que vous voulez. Cylindrique, rectilinéaire, ça, les yeux de poisson, comme ça. Donc là, vous mettez comme vous voulez que le panorama soit fait. Donc moi, je vais laisser équirectangulaire, c'est pas mal. Ensuite ici, bon bah vous pouvez faire des petites choses, vous pouvez déplacer les photos, recadrer, ouais, vous pouvez. Donc là, il garde les points qui sont communs,
sur les photos. Mais on peut articuler les photos. Donc c'est-à-dire que là, si vous voulez, si l'horizon n'est pas très plat, vous voyez, en vous fiant là sur les différentes règles, si vous voulez mettre l'horizon un peu plus plat, voilà, vous pouvez faire ça. Sinon, on a les outils qui permettent de le faire tout seul comme des grands. Donc l'outil par défaut, hein, si on laisse tout par défaut, globalement, ça fait quelque chose de pas mal. Voilà, voilà. Et puis là, on a l'option de recadrage. Donc là, on peut recadrer soit automatiquement, grâce à l'outil, soit on peut prendre juste, par exemple, le bout qui nous intéresse. Ça veut dire, si on veut juste... si on veut pas trop de ciel, on peut enlever du ciel. Si on veut pas trop d'eau, on peut enlever de l'eau. Est-ce qu'on veut faire un panorama comme ça, ou voilà. Donc moi, je laisse le recadrage automatique. Par défaut, c'est la plus grande zone possible commune entre toutes les photos. Vous voyez, ici, hop, là, ça remonte. Donc, il prend ça, et voilà, c'est très bien. Donc là, je vais laisser ça. Je retourne sur l'assistant et je fais créer le panorama. Donc là, on peut sélectionner le format, TIFF, JPG, PNG. Moi, je laisse au format TIFF. Hein, et je ne compresse pas parce que je veux la meilleure résolution, quoi, le meilleur du meilleur. Si c'est surtout après pour en faire un cadre ou un autre chose, mais je veux garder le format original. Donc là, on a le panorama, bon, on a que ça comme choix, et on valide. Ici, on enregistre au moins une fois le projet, donc j'enregistre une fois, tranquille. Et après, on met le nom de la photo. Donc moi, le nom de la photo, je laisse le nom de la première, le nom de la dernière, comme ça on sait que c'est cette plage de photo qui fait ça. Et là, Ugin entre en action. Donc là, le processeur bosse à fond, bien sûr. Voilà. Puisqu'il va faire du traitement d'image. Donc, hop là, voilà. Tout bosse plutôt à fond, puisque il fait du traitement d'image, il utilise toute la puissance nécessaire et disponible. Voilà. Et là, il a terminé. Donc, ce qu'on fait, ça, le petit truc, on peut le fermer. Et on va voir ce que ça donne. Donc, on a notre image, ici, une. Allez, je vais faire comme ça. Un. Et je vais faire l'image 3. Voilà. Donc globalement, voilà, notre panorama, ça va être ça. Vous voyez, les images ici sont un peu plus meilleures. Enfin, le vert est meilleur, je sais pas comment dire. Alors que là, on est un peu plus pâle. Et ben, Ugin s'occupe de traiter l'image. Et voilà, et on a un magnifique panorama. Voilà, c'est joli. Et donc, on voit absolument pas. Je vais grossir, même si la qualité en devient plus moche. Mais ici, on ne voit pas de traits, donc visiblement, le fondu, il est quelque part par là, hein, entre les différentes photos, mais on ne voit pas où est-ce qu'il a travaillé, on ne voit pas de tracé, et c'est parfaitement net. Voilà. Si on voit peut-être là, voilà, si on zoome vraiment, on voit ici que il a coupé ici, parce que là, les différentes images ne sont pas très bien alignées. Donc là, il est toujours possible de refaire un petit travail. Ici, c'est bien, là, c'est moins bien. Bon. Voilà, ça c'est l'alignement. Mais si on est comme ça très loin, on n'y voit pas. Il faut savoir que c'est là. Alors, maintenant, je vais vous montrer sur... Parce que là, on a fait avec 3 photos. Mais c'est possible de faire avec 5. Donc là, je vais reprendre un autre panorama. Alors par contre, je ne sais plus ce que c'est. Si, tiens, on va prendre... Là, ça va être violent, parce qu'on va voir que ici, sur ce panorama-là, de 4 photos, on a vraiment une photo qui est super claire, belle, et une photo qui n'est pas foncée. Donc on va voir en fait comment il travaille. Là, il ne va pas pouvoir faire de miracle non plus. Là, il nous le dit d'ailleurs, hein. Ce projet possède une plage de luminosité importante. Et bon, il n'arrive pas à... Voilà. Donc essayez d'assigner automatiquement les ensembles depuis l'éditeur de panorama. Bon, on va essayer, mais c'est pas gagné. Donc effectivement, là, si on aligne... Il y a trop de décalage parce qu'il y a un moment où j'ai le soleil dans la figure et il y a un moment où je ne l'ai pas dans la figure. Voilà. Donc globalement, le panorama qu'il va nous faire, c'est un truc comme ça. Donc là, on voit que entre ici et ici, voilà quoi. Hein, c'est pas évident, mais en même temps, entre ces photos-là, ouais, un peu embêté. Hein. Après, c'est la qualité de la photo. Il ne peut pas non plus faire... un truc super bien.
Donc là, il fait au mieux. Donc là, on voit que... Donc là, si je lui demande de le faire, le panorama, en laissant toutes les options par défaut, il va nous faire quelque chose. Hein. Il va nous faire quelque chose, mais il fait le mieux qu'il peut. Et là, concrètement, ce panorama-là, je vais pas le garder. Mais je m'en doutais un peu. Il faut quand même que les photos soient globalement de bonne qualité. Et donc là, une fois qu'il va avoir terminé... Voilà. Donc là, on voit qu'il peut pas faire de miracle non plus. Mais c'est quand même pas trop mal. Pas trop mal. Il se débrouille pas trop mal. Vous voyez, là, on voit que là, il y a ici la différence entre les photos et les ici. Mais il fait quand même quelque chose de pas mal. Pas mal. Voilà. Ouais, je vais peut-être le garder finalement, ce panorama. Il se démerde pas mal. Et donc, je vais vous montrer avec. Donc, hop. Alors, ouais, celui-là je vais le supprimer, je vais le refaire correctement. Celui-là je le laisse. Et donc là, par exemple, on va prendre les 5 photos ici. Tac, 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 tac. Avec une magnifique vue sur le lac de Varèse. Voilà. Donc là, je prends, tac, ces 5 photos-là. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ouvrir. Et donc là, on va compiler pareil. On aligne les photos. Bom bom bom, il trouve ses points de contrôle, il aligne tout, bom bom bom, voilà, tchac, et voilà. Donc là, moi, je vais juste passer par un petit recadrage, ce qui fait que là, le bonhomme, j'en veux pas, le panneau, j'en veux pas, voilà, ce qui me permet d'aller un peu plus loin maintenant. Voilà, bon là on peut toujours faire un petit coup de retouche si besoin. Voilà, je recadre comme ça. Hop, et je crée mon panorama. Donc là on voit que ici il va être forcément un peu plus long. Puisque on va utiliser 5 photos. Hein, on va voir que le travail est pas mal du tout. Donc je vais réduire ça. Voilà. On regarde que l'horizon soit à peu près droit quand même. Donc là, c'est à peu près droit. Vous voyez, par défaut, il se démerde quand même pas mal, le logiciel. Et donc là, il va coller ces images. Voilà. Donc là, c'est un peu plus long. On voit que le CPU fonctionne à fond la caisse. Voilà. Et maintenant, donc, on part d'une image qui est celle-ci. On passe par une vue qui est comme ça. On arrive ici. Vous voyez, les photos sont quand même différentes qualités. Là, le vert, il est un peu palichon. Oh tiens, il y a un avion. Oh, j'avais pas fait gaffe. Ou un planeur. Bref, on a un espèce de vert palichon. Et là, on a un vert super vert. Et ben, si on regarde ce que le panorama nous a fait. Hop là. Voilà. Globalement, l'ensemble des couleurs est pas mal du tout. L'horizon est plutôt droit. Hein, si je prends n'importe quoi, genre mon... Voilà. Une application, je trace l'horizon. Vous voyez, on est plutôt droit, donc c'est pas mal. Bon, après, là-bas, c'est pas droit. Hein, y a des montagnes, des collines. Et voilà, on a un super panorama. Et donc, on voit pas trop où le logiciel coupe, là. Sur le coup. Voilà. Je pense que le premier panorama, c'était moyen parce que j'ai bidouillé un peu le truc. Pour vous montrer les possibilités. Donc du coup, c'est plus très droit. Donc là, ce que je vais faire, je vais faire tous mes panoramas. Hein. Je ne vais pas le faire en vidéo, bien sûr. Je vais couper la vidéo. Mais voilà. Donc là, comme ça, je sais que mon panorama, il est fait. Tac, je vais refaire celui-là. Tchac, aligné. Vous voyez, moi, je fais globalement comme ça. Et après, une fois que j'ai mon panorama, je vais retoucher... Je vais retoucher mon panorama via GIMP pour remettre des couleurs et tout ça. C'est mieux de le faire une fois les 3 images faites plutôt que de faire image par image et puis après faire le panorama quoi. Autant retoucher l'image de fin. Mais voilà, vous voyez, ça se fait.
Simplement, rapidement, efficacement. Voilà. Tchoc. Et voilà. Allez, je vous en fais encore un pour terminer la vidéo. Pour vous montrer le truc. Tchoc. Donc, fichier nouveau. Je charge les images. Donc, ça, c'est fait. Tac. Donc là, les images sont pas terribles. Il faudra vraiment que je repasse un coup. Hop. 4, 5, 6. Bah là, j'ai même 6 images. Vous allez voir qu'avec 6 images, bon, c'est un peu plus long, mais ça fait le job. Donc, tac, on aligne. Et là, effectivement, ben, plus on a un panorama qui est, j'allais dire, où on tourne beaucoup autour de soi, plus on a de risque de se prendre un coup de, comment dire, un coup de contre-jour dans la figure. Donc là, on voit qu'il nous fait un truc un peu bizarre. Donc là, ça va pas du tout. Visiblement, je prends pas les photos correctement. Donc là. Là, il va falloir faire quelque chose. Pour essayer de, voilà, de. Parce que là, il me trouve les points, mais ça va pas du tout ça. Donc là, on va essayer de voir comment faire le panorama. Pour avoir une vue plutôt. Plutôt plate, quoi. Hein, parce que là. Ok, les différents formats, voilà. Donc là, globalement, mon panorama, j'ai fait de la merde en prenant mes photos. Donc il va falloir déplacer tout ça. Hop. Mais là, on voit que suivant les points de contrôle, on n'arrive pas à faire un truc pas mal, là. Pourtant, je vous assure, hein, le lac est droit. Hein. Donc là, on va mettre un peu plus. Donc on peut essayer de déformer. Hein. Vous voyez, ici, avec le clic gauche, voilà, on fait comme ça. Et avec le clic droit, on peut forcer différemment. Voilà. Donc on fait un truc un peu à peu près droit. Voilà. Donc ça arrange pour avoir l'horizon plutôt droit. Voilà. On recadre. Tac. On peut même se faire le recadrage automatique. Voilà. Et on crée notre panorama. Donc vous voyez, on arrive quand même à retoucher un minimum les photos. Voilà. Et on va voir ce que ça donne après traitement. Donc celui-là est un peu plus complexe. Bon, puis après, je ferai les autres pas dans la vidéo, quoi. Hein. Donc là, vu qu'on manipule quand même les images, il est peut-être probable que on ait quelques coupes où on voit où est-ce que les images ont été recollées, entre guillemets. Voilà. J'espère que le son est bon, en fait. Ouais, ça devrait aller. Donc là, il fusionne toutes les images. Donc c'est de 14h02. Hop, bah là. Donc 14h02, c'est lequel de panorama? C'est celui-là. Et là, tadam! Le panorama est quand même pas mal du tout. Donc où est-ce qu'il a coupé? Bah là on voit que là on a un bout de photo flou. Alors est-ce que c'est possible aussi que j'ai une photo floue dans le logo, hein? Bon, de loin ça se voit pas trop. Il est possible que la photo où j'ai ça, elle soit floue. Et là, du coup, ça fout en vrac le panorama. Donc, c'est là où il y a la petite église. Ah bah ouais, c'est ma photo qui est floue. Donc, forcément, on a le panorama, mais avec une photo floue. Donc, non, on n'accuse pas Huggin. Mais voilà, on a quand même une bonne idée sur le panorama. Et le travail est pas mal du tout. On voit que la mer, elle est quand même... Enfin, la mer... L'eau du lac est pas mal. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer sur Huggin. J'espère que la vidéo vous a plu. Et on va essayer de faire 20 minutes pile. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!